Salut à tous les amis, c'est GuitarOnStronker et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo gaming cette fois-ci, pas sur n'importe quel jeu, puisque aujourd'hui on se retrouve sur Asphalt 9 Legend qui est sorti sur Nintendo Switch, donc on va tester ça tout de suite, donc voilà. Alors, ce qui est un petit peu gênant pour moi, c'est que moi de mon côté, je n'ai pas de son dans mon casque, mais normalement dans mon logiciel, il devrait y avoir du son. En tout cas, j'ai fait les tests avant. Enfin, mon logiciel de, enfin OBS et puis bah mon LGP Light, enfin mon capture d'écran vidéo. Enfin bon, voilà, vous avez compris. Lui, il détecte du son et mon logiciel détecte du son aussi. Donc voilà, normalement vous aurez du son. Donc normalement, il n'y a pas de souci par rapport à ça, je pense. Donc voilà, donc Asphalt 9, c'est tout simplement au départ de base sorti sur mobile. Alors, je crois en gros, c'est sorti sur Android et peut-être iOS, je sais pas, mais Android c'est sûr. Donc là en tout cas, ça a été porté donc sur Nintendo Switch. Et alors en plus l'avantage c'est que c'est un jeu gratuit, bon sang, c'est un jeu gratuit quoi, voilà, c'est même pas payant, c'est un jeu gratuit. Bon, évidemment tu peux débloquer des choses dedans, enfin parce que tu peux acheter des choses dans le jeu, que ce soit avec de l'argent, je crois, in-game ou un truc comme ça. Mais tu peux aussi payer des trucs avec du vrai argent. Mais voilà, je vous déconseille hein, de faire ça tout simplement. Bah de gâcher votre argent hein, tout simplement dans un jeu qui est gratuit quoi, je veux dire, voilà. Bref, parce que tout simplement dans le mode carrière, bah vous allez à chaque fois débloquer, enfin dans les courses en tout cas de ce jeu, vous allez débloquer à chaque fois soit des véhicules, de l'argent in-game, etc. Enfin voilà, vous allez débloquer un tas de trucs comme ça. Donc voilà, donc on va démarrer de base avec une Mitsubishi, je crois. On a vraiment plein de voitures, hein, c'est un truc de fou. Alors je crois que pour l'instant on n'a pas encore voilà, on n'a pas encore débloqué tout ça là. Genre offre boutique, course rapide, etc. Pour l'instant c'est tout à fait normal. Pour l'instant on a objectif quotidien et puis le truc ma carrière ou je sais pas quoi. Donc bienvenue dans Asphalt, ok, voilà, vous voyez, c'est normal. Là c'est le mode carrière, hein, c'est tout à fait normal, donc voilà. Et puis ensuite, bah, quand on clique sur jouer, bah, on fait des courses, etc. Donc après, voilà, ça c'est plutôt cool. Donc ensuite, dans objectif quotidien, qu'est-ce qu'on a? Remplir différents objectifs pour gagner des récompenses. Voilà, en gros, c'est quelque chose comme ça. Hein. Donc voilà, c'est vraiment à chaque fois qu'on récupère, quand on gagne des courses ou quoi, on gagne tout simplement des récompenses, donc à chaque fois pour les objectifs, etc. Donc termine des objectifs quotidiens, 2 restants pour terminer, ok, donc x 5, ok, donc ça c'est pour gagner des voitures ou quoi, ou de l'argent in-game, hein, de ce que j'expliquais. Récupère des plans et tu pourras débloquer cette voiture et augmenter ses étoiles, d'accord, ok, donc ça me paraît logique. Voilà, ça c'est vraiment plein de trucs qui permet de, soit pour faire des courses ou gagner justement des voitures, enfin débloquer des voitures en tout cas c'est vraiment cool. Donc déjà on va se tester une course, notamment. Ah voilà, c'est là-dedans. Ok. Donc là on va tout simplement faire jouer, puisque bah il faut quand même progresser en mode carrière pour débloquer des voitures, pour acquérir des voitures, hein, comme ils disent dans le jeu. Donc du coup c'est parti, hop, on va faire jouer. Et puis bah voilà, ça nous ramène donc dans le premier truc de la course, hein, tout simplement, enfin des courses, etc. Atteint les objectifs dans chaque course pour gagner donc des drapeaux. Hein, voilà, que ce soit des drapeaux, même pour débloquer des voitures, hein, voilà. Les drapeaux débloquent de nouvelles courses dans chaque saison. Voilà, c'est aussi simple que ça. Hein, voilà, suivant. Et après, ça va être ainsi de suite. Hein. Obtient ce plan de BMW en terminant cette course, termine la saison pour remporter la voiture. Voilà, donc c'est à dire que plus on gagne des courses, plus on débloque des choses. Enfin, plus on débloque différentes choses. Hein, voilà, ça me paraît aussi simple que ça, c'est logique. Hein. Voilà, donc j'espère que en tout cas ce jeu va vous plaire. Donc encore une fois, il est gratuit hein, sur Nintendo Switch. Il est aussi gratuit sur Android. Et peut-être s'il est sorti sur, s'il est sorti aussi sur iOS, je pense qu'il est aussi gratuit. Donc voilà, c'est un jeu gratuit, mais que vous pouvez quand même dépenser de l'argent in-game ou quoi dans le jeu. Mais je vous déconseille de le faire, voilà, tout simplement. Hein. Donc on va tout de suite commencer par la première course. Voilà, sélection de course. Donc choisis ta voiture pour cette course. Donc voilà, vous voyez qu'à côté, on a vraiment plein de catégories de voitures qui peuvent être vraiment pas mal. Hein. Donc bon, pour l'instant, on démarre avec la Mitsubishi Lancer Evolution, donc en bleu, donc qui est vraiment magnifique. Hop, on va tout de suite commencer. Voilà, alors est-ce qu'on peut la personnaliser ou... Normalement, je pense que oui, enfin on peut peut-être l'améliorer un petit peu déjà. Ok, donc voici les stats de ta voiture, chaque stat peut être amélioré séparément, ok. Donc normalement, je pense qu'on peut l'améliorer un petit peu, d'accord. Ok, ça j'ai compris. Alors,
Alors, est-ce que c'est avec les machins? C'est... Ouais, à mon avis, je pense qu'on peut l'améliorer. Donc déjà, on va l'améliorer au niveau de l'accélération, si j'y arrive encore une fois. S'il te plaît. Ah oui, d'accord, c'est là. Donc l'accélération, tac. Déjà, on va améliorer un petit peu ça. Hop. Voilà. Ça, c'est bon. Ensuite, on va l'améliorer en matière de maniabilité. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, ça, c'est fait. Tac. Voilà. Alors, ensuite, on va l'améliorer sur la vitesse max, pardon. Voilà. Tac, et après on va simplement se lancer dans une course, hein, ouais, c'est un peu ça. Hein. Après, bon, bah, dans la nitro, ça a l'air d'aller, hein, je pense. Hein. Bon, il n'y a pas besoin de... plus que ça, de nitro ou quoi. Ouais, non, pour moi, c'est bon, je pense. Hein. Ok, donc, ok, boutique, ça, on s'en fout. Ok, donc ça, c'est bon. Là, on est bon là-dessus. Alors, je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Ah, ouais, si on peut changer la couleur, ça, c'est bien, par contre. Couleur officielle. Ah oui, en fait, on peut mettre soit en bleu, soit en rouge ou en noir. Ok, d'accord. Bah, moi, je la trouve très bien en bleu, donc on va laisser en bleu, hein, simplement. Voilà, on va pas se faire chier. Allez, hop, on va jouer directement. Le truc touch drive, là, je sais pas ce que c'est. Oui, non, je sais pas ce que c'est. Alors, Joy-Con manuel. Donc, tourner, d'accord. Nitro, c'est X. Accélérer, c'est A. Freiner, B. Nitro, Y, d'accord. Ah oui, ok, accélérer, changer la caméra, freiner, nitro. Ah, ok, d'accord. Recommander aux joueurs aguerri, un truc comme ça. Ok, d'accord. Bref, suivant. Voilà, moi je préfère simplement jouer comme ça. Hein. Jouer au tutoriel, non, ça on s'en fout. Ok. Et ben voilà, hein, là on a bien amélioré la voiture. Donc on va tout de suite faire jouer, hein, tout simplement, parce que bon, là ça fait. Ça fait 10 minutes que je parle, donc voilà, ça faut quand même faire des courses. C'est simple que ça, hein. c'est logique. Course folle urbaine, voilà. Rang recommandé 458, donc. Objectif de course, termine en position 3 ou mieux, voilà. Allez, c'est parti. C'est le plein, on accélère. Oula, 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 et par contre là les gars... Merde. Ah oui, ok. Oula, par contre c'est un peu dangereux là ce que je fais. Ok, ok. Par contre on va essayer de la rattraper un petit peu, ce serait bien. Allez. Par contre Google, tais-toi s'il te plaît. Allez, go. Allez, nitro. Voilà. Putain, mais où je vais là? Hop là, un petit rodéo. Ça, c'est un truc que j'adore faire. Oh, le petit takedown. Ah non, c'est bon, je suis le premier. Moi, c'est parfait. Oui, parce que vous pouvez aussi faire des takedowns dans ce jeu de course. Ah, par contre, je sais pas ce qui est arrivé à mon Google là, mais bon. Je sais pas, bref, on s'en fout. Non, franchement, c'est cool, vous voyez, c'est vraiment cool. Donc voilà, termine en position 3 au mieux. Donc on a fini premier, hein, c'est parfait. Donc en 44 minutes ou secondes, je sais plus, bref. Non, c'est 44 secondes. Et après, parce que le reste, c'est des centaines de secondes. Donc voilà, ça c'est parfait. Hein. Voilà, donc ça c'est nickel. Voilà, pour ça c'est simple. Hein, voilà. Vous voyez, après, on gagne un peu de l'argent in-game, encore une fois. Donc récompense position 350. Bonus drapeau x 1, 1500. Donc du coup, total des crédits, 1850. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, et puis après on peut donc améliorer les voitures, enfin notre voiture en tout cas, comme ça. Donc après là, voilà, ça c'est pour obtenir des jetons, voilà, c'est plutôt ça. Donc on va faire récupérer, voilà, on récupère, tac. Et donc après on fait tout simplement suivant, voilà. Donc c'est le 9e, hein, tout simplement, hein, le 9e asphalte qui... Enfin, bah, celui-là en tout cas qui est sorti sur Nintendo Switch, et puis bah je pense aussi sur Android et puis iOS aussi, hein, voilà. De toute façon, il est gratuit, donc ça fait ça. Donc plus que 4 pour débloquer donc la voiture, qui est une BMW, mais vraiment très jolie, quoi. Donc on va essayer d'aller jusqu'au bout pour, bah, évidemment, débloquer cette voiture, hein, ça me paraît aussi simple que ça. Hein. Alors, ces crédits te serviront à améliorer ta voiture, prends-les, ok, d'accord. Donc ça, ok, tac, ça c'est bon. Donc évidemment, on va faire la deuxième course, hein, c'est simple que ça. Hein. Oh, regardez. Quoi, on peut déjà la prendre? Non. Non, je crois pas. Hein.
Oh, d'accord. Ah ouais. Elle est pas mal. Obtenir un plan. Ah merde, non, je crois qu'on peut pas jouer avec. Non, pour l'instant on peut pas jouer avec. C'est juste la voiture comme ça qui est... Ok, d'accord, ouais, c'est bien ce qui me semblait. Pour l'instant on peut pas la... on peut pas jouer avec. Ok, alors pour l'instant bah, est-ce que je l'améliore un petit peu plus ma voiture? Ouais, je pense qu'on peut, encore une fois, au niveau de l'accélération, encore une fois. Voilà, on va faire améliorer, voilà, comme ceci, c'est parfait. Donc voilà, tac. On va aller remettre un tout petit peu de vitesse max aussi. Voilà, c'est histoire d'eux, hein, voilà, c'est tout simplement. Voilà. Donc oui, j'ai mis ma caméra en forme ronde, hein, donc voilà, n'hésitez pas à me dire, s'il vous plaît. Voilà, comme ça c'est très bien, voilà. Maniabilité nitro, donc ça c'est là on est bon. Donc hop, c'est parti, jouer du coup. Voilà. Par contre, je sais pas ce qui s'est passé avec mon Google, hein. Tout à l'heure il m'a sorti un d'accord, je sais pas pourquoi. Mais bref, c'est pas grave. c'est vraiment stressant pour moi que j'ai pas de son dans mon casque alors que vous entendrez le son du jeu, quoi. Oh putain, j'avoue, les courses elles sont stylées, quoi. Moi j'accélère avec ZL, hein. Avec ZR, je veux dire. Allez, c'est parti. Hop là, rodéo. Et boum, nitro. Je sèche au courant, merci. Allez, go 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 go. Allez, dégage, dégage, dégage. Hop là. Oh bah, le take down. Bah, allez, ça dégage. Allez, hop. Voilà, je crois qu'on est premier. Parfait. Non, non. Blah, take down, mon pote. Qu'est-ce que tu veux? Prends ça. Bim. Allez, allez. Ça dégage. Ça dégage. Qu'est-ce que tu veux, mon pote? Allez. Oui, oui, on peut faire des take down. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Par contre, là, je suis en train de faire n'importe quoi. Non, c'est bon. Allez, par contre, ni trop vite. Vite, vite, vite. On essaie de finir assez vite la course, quand même. Ça peut être bien. Yeah, c'est bon, on est premier. Ok, oui, c'est un jeu qui est vraiment cool, hein. Ce Assault 9 là sur Nintendo Switch, franchement, je trouve ça assez cool. Qu'on puisse faire des espèces de rodeo comme ça pour gagner du boost, même qu'on puisse faire justement des sortes de takedown pour justement gagner un peu de boost aussi. Et en fait, je crois qu'on dépasse, quand on dépasse les adversaires, ça fait gagner un peu de boost aussi. Enfin voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Ça, je trouve ça vraiment cool, quoi. Donc voilà, tac, on gagne encore bah, de la récompense, hein, tout simplement. Voilà, donc on récupère évidemment les jetons, hein. Voilà, tac. Et ici aussi, voilà, on récupère. Ensuite, suivant. Voilà, ça c'est bon, ok. Alors, plus que 3 pour débloquer, d'accord, suivant. On va se faire ça vite fait, hein, on va essayer du moins. Allez, on enchaîne avec la troisième course, du coup. Donc toujours avec notre Mitsubishi. On va pas l'améliorer, on va la laisser telle qu'elle, voilà. Moi, ce que je veux, c'est vraiment avancer bah, dans les courses, parce que là on en a plus que 2 ou 3 avant de, enfin 2 ou 3 courses à faire avant de débloquer bah, la prochaine voiture, hein, tout simplement. Voilà, hein. Donc là c'est chute libre, voilà. Donc ça, je pense que ça va être cool. Objectif de course, bah, terminer en position 3 au mieux. Donc voilà, c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure, quasiment. Oui, ça c'est facile, hein. Ah ouais. Ah ouais, alors ça je kiffe. Vas-y, go nitro. Bam, tête down, ça dégage. Down. Allez, bim, ça dégage direct. Bam, tête down, ça dégage. Et nitro. Hop là, la petite figure stylée. Qu'est-ce que tu vas faire, mon pote? Oh putain, oh putain, oh putain, je suis en train de faire encore. Ok, j'ai fait un petit take down, vite, boost, 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 boost. Hop là, ça dégage. Et boost, 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 boost. Putain, on va finir 4ème, mon pote. Vas-y, boost, 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 boost. Ah, on est 4ème, dommage. Dommage. Ah, c'était chaud, là. Mais j'adore le début de la course, par contre. Le fait qu'on soit en chute comme ça, ah ouais, ça, c'est ça, franchement. Je trouve ça assez stylé, quoi. Je pense qu'à mon avis, ils vont nous faire recommencer, je pense. Ou pas, je sais pas, hein. On verra. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça nous fait recommencer. Donc, c'est pas grave, on va y retourner, hein. À mon avis, je pense qu'il faut que j'améliore un petit peu plus la voiture. Donc, c'est ce que je vais me faire tout de suite, d'ailleurs. Voilà. Donc,
Alors on va améliorer ça. On va améliorer la nitro, non. L'accélération, oui l'accélération, bah oui tu m'étonnes qu'on... Tu m'étonnes qu'on va accélérer, qu'on va mettre un peu plus d'accélération parce que c'est quand même important. La vitesse, on va remettre un peu de vitesse aussi parce que voilà. F3, tac, voilà, parfait. Et puis bah maniabilité nitro, on est plutôt bon. Allez hop, ça c'est bon, comme ça c'est bon, comme ça je pense que c'est bon, on est parfait comme ça. On va faire pareil, on refait la course. De toute façon après, même si cette course là, si on la gagne ou si on la perd, je pense qu'après on s'arrêtera là pour la vidéo. C'est vraiment histoire de vous faire découvrir ce magnifique jeu qui est Asphalt 9, hein, tout simplement sur Nintendo Switch, voilà. Encore une fois, je le rappelle, on est sur Nintendo Switch pour Asphalt 9, Legend, évidemment. Allez, c'est parti. Let's go, boost. Blah. Boost. Takedown ou pas? Allez, takedown, ça dégage. Et on boost. Allez, on boost. Bam, takedown, ça dégage. Allez, qu'est-ce que tu vas faire? Allez, on est premier, on fonce. Allez, on fonce. Allez, on y va. Allez, on est très bon. Hop, un petit rodé, on fonce. Et c'est bon, on est arrivé premier. Voilà, parfait, nickel. Voilà, vous voyez ou pas, ça c'est plutôt rapide. Hein. Il n'y a même pas de décompte de tours, genre il n'y a même pas genre premier tour, deuxième tour, troisième tour. Non, là c'est juste un seul tour et basta. C'est t'y vas, tu fonces. Tout droit, hop, et c'est parti quoi. Ah, franchement là ça m'a fait plaisir, voilà. Donc là c'est parfait. Franchement les takedowns ils sont assez bien réussis je trouve, c'est archi stylé à voir. Quand tu vois les ralentis et tout, c'est vraiment stylé quoi. Enfin voilà. Bon après bon évidemment la voiture s'abîme, bon, ça c'est un petit peu logique. Donc voilà, là on va tout simplement récupérer bah, les voitures, enfin les jetons ou quoi, les récompenses hein, tout simplement, on va récupérer ça. Voilà, suivant, hop. Et puis je pense qu'on va tout simplement s'arrêter là. Donc pour cette vidéo découverte sur Asphalt 9 Legend, hein, sur Nintendo Switch encore une fois. Parce que là, on a encore plus qu'une je crois, un truc comme ça, pour gagner la prochaine voiture. Après, est-ce qu'on se fait la dernière course Ouais, allez, on peut se faire exceptionnellement. Pour bien finir cette vidéo, hein, on va faire la dernière course. On va vite fait améliorer la voiture parce que sinon ça va être encore la merde. Voilà, pour faire la dernière course, pour évidemment débloquer la dernière voiture. Donc l'accélération on améliore, tac, voilà. Et puis ensuite on va aussi améliorer la vitesse max, évidemment encore une fois. Voilà, ça me paraît logique. Et puis après on est bon pour le reste. Allez hop, on joue, tac, comme ça c'est fait. Voûte de neige, donc au départ les deux premières courses c'était sur du sol plat ou je sais pas quoi. Et les deux dernières courses, c'est tout simplement dans de la neige. Donc voilà, ça c'est plutôt cool pour ce jeu qui est Asphalt 9, hein, encore une fois. Donc sur Nintendo Switch, encore une fois, je le rappelle, voilà. Allez. Allez, go. Attention, ça a démarré. Allez, c'est parti, boost. Vite, boost. Bon, bah là on est foutu, hein. Allez, boost. Vite. Boost. Ouais, là c'est un peu la merde. Oh, ok, boost. Ah, non, j'aurais dû faire un takedown à ce moment-là. Boost. Fonce. Allez, on y va. Boost. Bah. Allez. Ok, ça passe. Ok. Vas-y. Ah, merde. Ok, on est trop parfait. Go, ça passe. Ah, merde, ça passe pas. Merde, on est redevenu cinquième. Oh putain, ça pue. Ah, ça pue là, ça pue. Allez. Est-ce qu'on peut essayer de rattraper ça? Je ne sais pas. Ça risque d'être super chaud. Ouais, non. C'est lui ce qui me semblait. c'était trop chaud là. Bref, c'est pas grave, là je pense que c'est un peu chaud quand même, bon, on a gagné un petit peu d'argent, c'est plutôt cool. Voilà, comme ça on récupère évidemment les bonus, hein, les jetons ou je sais pas quoi. Voilà.
Et puis bah voilà, ah bah en plus on est niveau 2, bon ça c'est parfait, voilà, ça, c'est nickel, on est niveau 2 donc c'est plutôt parfait. Bon, et ben écoutez voilà, on va donc se laisser là pour le jeu Asphalt 9 Legend sur Nintendo Switch. J'espère que, j'espère déjà que ça vous aura plu, hein, voilà. Donc j'essaierai évidemment de débloquer la BMW en hors caméra, hein, si j'arrive à faire la dernière course. Évidemment, donc si cette vidéo vous a plu, évidemment n'hésitez pas comme d'habitude de liker, partager et commenter, et évidemment de vous abonner à ma chaîne, c'est totalement gratuit, hein, voilà tout simplement, je le rappelle. Et puis bah si vous voulez d'autres vidéos comme ça, que ce soit de vidéos de course ou autre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et évidemment bah après je vous ferai tout ça, hein, que ce soit des vidéos de course ou autre, voilà, je vous écouterai, vous inquiétez pas. Bref, allez, moi je vous laisse, c'est le Guitar Rocker, allez, ciao, à la prochaine.